tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui, la deuxième partie de Roulette, le morceau de System of a Down. Donc je vais vous exprimer un petit peu comment on joue le solo, tout ça. Donc je vous conseille d'aller chercher la partoche sur galagomusic.com, il y a marqué cliquer. Vous cliquez, ça vous amènera directement sur le site avec en dessous du lecteur vidéo un petit encart où il y a marqué télécharger la tablature, enfin ma PDF et ou Guitar Pro pour ceux qui l'ont. Voilà, donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je me rapproche et je vous montre tout ça de près. Donc dans ce morceau, il y a un guitariste qui va faire le solo que je vais vous montrer, bon, et l'autre pour accompagner va donc jouer la partie A, hein, je vous donne rendez-vous éventuellement sur le cours numéro 1 de ce morceau si jamais vous ne l'avez pas vu, la partie A étant... Hein, ça. D'accord, c'est par-dessus ça que va se faire le solo, qui commence donc ainsi. Attendez, je saute sur une seule patte, voilà. 13e case de la corde de Si. Je suis extrêmement mal installé, c'est terrifiant. Attendez, voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, 13e case. Alors, on va attaquer soit avec le majeur, plutôt annulaire à mon avis, ce sera mieux. 1, 2, 3, 4. Après ce 13, on va attaquer sur la corde de Mi, le petit Mi, le 10 et le 11. D'accord, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, au niveau des coups de médiator, je vous conseillerais ça, le premier coup vers le bas, bon, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous regrattez une fois cette corde-là. Ensuite, dixième case, en retour, et coup vers le bas, parce que c'est assez rapide quand même, le 1, 2, 3, 4. Donc, il faut bien articuler son mouvement. Si vous faites que des coups vers le bas, ça peut marcher, hein, mais je pense... Vous serez mieux dans l'énergie si vous utilisez ce retour. Donc, je refais ça et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà la suite. Donc, je suis reparti de ma dixième case. Et j'ai fait encore une petite roulette, j'ai envie de dire. Un petit mouvement d'aller-retour à la main droite. Bas, haut, bas. 2, 3, 4. Ok, donc je vous refais ça, ça que... Donc là on est sur les trois premières mesures du solo, let's go, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le plan d'après. Voilà, donc là c'est une grande phrase, alors je vais vous la redécouper. Hein. Donc on reprend sur la quatrième mesure du solo. Je prends même les deux petites doubles qu'il y a avant cette quatrième mesure. Donc ça fait 10, 11, 13. 10, 11, 13, 11, 10. Et là, il y a un slide. Excusez-moi, je ne voulais pas montrer avant, mais... Ok. 10, 11, 13, 11, 10, 8 en slide. Ensuite, je reviens en 10. Attendez, on ne voit plus les médiators. 10, 11, 10, 8, 8. Ok. Maintenant, au niveau des coups de médiator, justement... Donc, let's go again. Bas, haut, bas, 2, 3. Non. Bas, haut, bas. Voilà, vous repérez bien. Hein. On essaie de conserver toujours les allers-retours. Donc, après le... Donc, je fais... Bas, haut, bas, je slide. Bas, haut, bas, haut, bas. Et je vais jouer la huitième case de la corde de Si. Voilà, donc je vous refais tout le solo depuis le début. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je reprendrai de cette note-là. On retrouve à peu près le même schéma que précédemment dans l'aigu. Donc, 8, 9, 11, 9, 8. Je slide de deux cases à gauche. Pareil, je descends en 6. Donc, one again. Encore ça. 8, 9, 10, 9, 8, 6, 8, 9, 8, 6, 6. Et là, après, je ferai un saut de corde et j'irai attaquer la huitième case de la corde de Ré. Voilà, et là, on a fait la moitié du solo, quasiment. Il nous manque une mesure pour être vraiment à la moitié. Je vous refais tout ça un peu moins vite encore. 1, 2, 3, 4. Mercredi. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2,
3, 4. Et 1. Ensuite. Ensuite, la mesure suivante va donner ça des doubles notes, double stop. Donc 4 et 6, je joue déjà. Donc j'ai fait quoi ? 4 du petit mi, 6 de la corde de si. Je gratte ça. Après je descends en 3 et 4. 3 du petit mi, 4 du si. Je gratterai celui-là deux fois de suite. Donc après 6 et 7, des cordes de si et sol. Et puis, on descend ça de deux cases. 4 et 5. Ok. Encore. Bah, raté, raté. Va peut-être vous faire ça me l'a fait 36 000 fois, moi, quand je le bossais. Voilà. Encore. Vous faites que des coups vers le bas avec le médiator. Et des petits coups un peu précis, enfin voilà, vous riez pas partout, sinon ça va pas faire joli. Et puis voilà, et là on est vraiment rendu pile poil à la moitié du morceau. On est donc à la huitième mesure, si mes calculs sont bons, 2, 4, 6, 8. Bravo, bien joué. Je vous refais tout depuis là et je vous enchaîne après sur la suite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gardez celui-là enfoncé et vous allez le slider. Et quand vous avez fait le fini le slide, vous arrivez à la 13e case, vous vous voyez arriver vers la 13e case, pile poil à ce moment-là, quand vous attaquez la 13, bim, vous rejouez avec le médiator. C'est-à-dire. Et vous le chopez à la volée comme ça. Voilà. Donc, rendu ici, on refait la même chose, en fait. Donc, quand on attaque cette note-là, c'est comme si on était au début. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ça, c'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Sauf le finish. Alors, le finish, bah, en fait, c'est ce qui remplacerait le... On va le faire là. Oui, c'est ça. Alors, ce plan-là, je sais plus si je l'ai inventé ou s'il est vraiment dans le morceau. Mais je trouvais qu'il sonnait bien, il était pas hors propos, hors sujet, donc je vous le montre. Alors, il s'agit là de choper, de se positionner déjà 11e case de la corde de La avec le majeur, et index en 10e case de la corde de Sol. De Sol, oui. Et on choperait ces deux notes-là ensemble. Donc là, j'utiliserai de l'hybrid picking. Je chopperai la basse, la corde de La, avec le médiator, et avec le majeur, je vais choper la corde du dessus, la corde de Sol, là, sur laquelle on appuie, donc. Tout le solo de loin, et puis c'est bon. Alors, je vais vous remontrer le solo une fois pas vite, avec accompagnement. Donc, pour ce faire, je me suis préalablement réenregistré une boucle de la partie A, cette partie-là. Je l'ai enregistré pas vite sur mon looper. Le looper, c'est ça. C'est une petite boîte, le mien, c'est un Vox, hein, donc, une petite boîte qui vous permet, comme ça, quand vous appuyez sur le bouton, vous jouez votre première note, vous faites toute votre séquence, et au retour du premier temps de votre séquence, vous réappuyez sur le bouton, et là, ça va boucler le truc. Il se permettra d'avoir un playback, c'est pratique, voilà, quand on n'a pas d'amis, comme ça. Ok, donc ça donnerait ceci. 2, 3, 4. Thank you.
normalement là. Bim, vous rattaquez directos sur le refrain. Mais t'es pas très bien là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Faites-vous bien plaisir avec ce morceau. Voilà, si vous êtes deux, éclatez-vous. Apprenez-le déjà à le faire bien comme il faut, vraiment bien ensemble. Et puis, bah, vous bossez l'un et l'autre de toute façon, le solo de votre côté. Puis après, vous testez ça quand vous êtes ensemble. Et généralement, ça fait des résultats très très probants. Voilà, en tous les cas, amusez-vous bien. Et puis à très bientôt, au détour d'un prochain tuto. Ciao!